on voit bien, on va essayer de commencer. Alors, on va se retrouver aujourd'hui donc pour une display X et Y donc, que j'ai récupérée récemment. Donc, je trouve le design très joli, personnellement. Alors, donc on voit Yveltal, oui, c'est ça. Bon, je suis pas trop... Je connais pas trop encore la 6G. Alors, Mega Florizarre. Donc, Cerneas, Yveltal, Mega Florizarre et Mega Tortank. Mega Tortank et Yveltal sur le dessus. Donc, on va essayer de s'en sortir pour cette génération. Je connais pas trop les noms. Enfin, j'ai beau jeu vidéo, j'ai pas du tout essayé de compléter le Pokédex. Donc, à part quelques-uns, peut-être. Voilà, je connais pas tous. Donc elle est vraiment très très jolie la display, hein, je trouve. Alors, donc on va faire comme d'habitude en deux parties. Hop hop hop. D'ailleurs c'est nouveau le petit... Il est marqué juste là, 6+, donc pour les 6 ans et plus. Mais enfin, je crois que c'est nouveau, j'ai jamais vu ça avant. Alors on va... Ah, même sur le booster c'est marqué d'ailleurs. Bon. Hop hop hop. J'ai fait un petit fond aussi un peu à l'arrache, mais voilà, donc on a 4, alors, oui, donc c'est cool, 4 illustrations différentes, qui sont vraiment très jolies, je trouve. Donc on a Yveltal, hop, Xerneas, Mega Tortank et Mega Florizarre. Donc vraiment très jolies. Dans cette display, qu'est-ce que j'aimerais avoir surtout? J'aimerais choper le Xerneas Full Art qui est vraiment magnifique. Et en holo, bon, j'ai regardé un petit peu vite fait, mais je me souviens pas de tout. J'aimerais surtout avoir Raichu holographique. D'ailleurs, j'aime beaucoup les effets holographiques, ils sont vraiment très beaux. Et Prismillon aussi. Bon, après le reste, je sais pas trop ce qu'il y a en holo à part. La dernière évolution des starters. Bon, on va commencer. Voilà. Et donc, je mettrai la seconde partie la semaine d'après. Alors. Donc, booster Mega Florizarre. Le code en ligne. Ouais. Sympa. Alors. 1, 2, 3. 1, 2. Et ce sera un bon tirage. Hein. Mais bon. Display. Ah, très joli déjà. Bon, je fous un peu de vernis partout, il est pas sec. C'est ballot. Alors, on a un Skitty. Très joli d'ailleurs. Venipat. Un Zorua. Très joli aussi. Je trouve mignon dessus. Un Aspicot. Une énergie obscurité, donc oui, ils ont remis les énergies, donc c'est sympa. Ensuite, un Corailon. Un Céléroc. Sepiatop. Ouais, la méduse bizarre, mais j'aime pas du tout son évolution d'ailleurs. Donc Gros Doudou, donc en type fée du coup. Donc c'est une rare reverse. Je ne sais pas du tout si elle est holo, mais je ne pense pas. Elle est vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup l'effet de l'eau sur ces cartes. Elles sont vraiment belles. Et en rare, un flot tout temps. Donc qui s'amuse à la plage en mode tranquille. Donc booster méga tank. Par contre, je suis pas trop fan des méga. Donc en fait, je crois que c'est l'écriture qui me gêne, qui est toujours en jap. Alors ça fait bizarre. Mais bon. On fait avec. Hein. Parce que je pensais qu'ils allaient la traduire, mais apparemment non. Enfin. Donc on a Cabriolen. Bon, juste, je le trouve bien mignon. J'aime bien. J'aime bien dans le jeu, vu qu'on peut monter sur eux. Ah, c'est cool. Venipat. Un Fluvetin. Que je trouve vraiment très moche, mais par ça, ça va. Son évolution, c'est pire. C'est comme la barbe à papa. Je l'aime pas, là, celui qui ressemble... Sucroquin ou je sais pas quoi. Pikachu. Alors très joli je trouve. Il a un peu une tête bizarre mais ça va. On a un Kyunotor.
Donc un gris-gris protecteur en objet dresseur. Un électrode. Des rouleurs. Coiffarelle, donc c'est une rare aussi. Une rare reverse, je sais pas du tout si elle est holo. Je crois qu'il y en a une, enfin il y a plusieurs styles de coiffarelle, je crois, dedans. D'une holo, je pense. Voilà, voilà. Et on a un Staros. Alors après, booster Yveltal. Pour l'instant, je trouve les cartes bien jolies, hein, elles sont sympas. Il y a beaucoup des anciennes générations. En même temps, vu qu'il y en a quoi, 70, 80 à tout casser dans la nouvelle. Alors Pikachu, Charpentier, un Hirondelle, Coquillasse, Passe Rouge, lui je l'aime bien, je l'ai pris en plus dans le jeu. Brésillon, donc son évolution. Ponchien, qui est triste. Super Potion. Un Elidèle, donc en rare reverse. Je la verrais bien en holo celle-là. Mais bon, vraiment très jolie. Et un, donc le blindé holographique. Bon, on peut voir l'effet holo. Vraiment, je trouve ça super joli comme effet. Voilà, voilà. Donc, très joli. Je l'ai pris... j'avais pris Marisson. Oui, c'est ça, Marisson. Ouais. Dans le jeu. À la base, je voulais Fennec, mais... j'avais pas son stat final. Alors, du coup, j'ai pris lui, mais... J'aime pas non plus, mais... À part qu'il ressemble à un Digimon, hein, mais bon... Voilà, voilà. Ensuite... On a donc Monorpal. Ouais. Rhinocorn. Une énergie eau. Donc en fait, les énergies sont en commune. Lépidonille. Flotajou. Oui. Escroco. Les sbires de la team Flair. Alors, cette team est chelou, mais. Donc Roussille. Escavaren. Ah, il s'appelle comme ça lui. D'accord. Donc un peu comme une reverse. Je la trouve vraiment horrible de toute façon. Bref. Et Flamoutan en rare. Je crois que j'ai senti quelque chose, mais vu des fois je suis un peu parano. Hop hop hop. Alors Aspico. Une énergie électrique, un Charpentier, Abo, ça fait longtemps lui que j'ai pas vu, Zorua, mon chien, une super potion, hop, Lumivol, Sepia top, ouais c'est pas top quoi, donc en un peu comme une reverse. Je bug, il y a bien quelque chose derrière. Hop, hop, hop. Voyez ! Magnifique. Zarneas F. Et CFA, pardon, que je voulais absolument. Donc, Kevin, hein, on fait pas d'échange, hein, vu que j'ai pas Yveltal encore. Et vu que j'ai la carte que je voulais, bah, voilà. Elle est vraiment sublime de chez Sublime. Franchement, rien à redire là. Sur le coup, elle est magnifique. Très 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 joli. Avec toutes les couleurs et tout. Ouh là là. Ah et ces pochettes là. Hop. Attends, j'ai fait, je la changerai après. Hop, hop, hop. Vraiment très belle. Donc on continue. Donc là, au moins j'ai la carte que je veux. Ça, c'est fait. Et après, les autres, bah n'importe. Hein. Donc la barbe à papa, hein, Sucroquin. Je suis pas trop fan non plus, hein, mais. Une énergie combat. Hop. Marisson. Topiqueur.
une énergie fée. Donc je les trouve super jolies aussi. Et tout. Ils sont cool. Un cocon fort. Un jardin des fées. Avec plein de fleurs. Et une sympa. Tenefix. Qui fait un peu flipper. Mais... Mastouf en... Donc c'est une rare reverse. Et un Bétochef en rare. Je crois que j'ai chanté quelque chose. Après, s'il n'y a rien, on se fait trop d'espoir. Mais alors, passe rouge. Scalpion. Spoink. Skitty. Une autre énergie fée. Un Céléroc. Sepia Top. Brésillon. Un Cunotor donc en... Oui, en commune reverse. Tout mignon. Et un Arbok. Et il est classe, hein. En rare. Jolie carte. J'ai l'impression que les pochettes sont un peu plus résistantes, mais... Bon. Meilleure qualité que les autres, mais... celle d'avant, du bloc noir et blanc. Mais enfin, j'arrive toujours pas à les ouvrir bien. Alors, Fluvetin, Coxy, Sepia Top, donc sous une autre forme, Ponchio, Brocélome, d'accord. Bon, faut être brocélien, hein, j'ai envie de dire. Poral, donc un des starters là, Cercle des Ombres, Escavarène, je sais pas pourquoi il lui donne un nom aussi chelou, mais ça lui va pas du tout. Un Lépidonie, donc en commune reverse, et un Amphinobi en holo. Vraiment, cet effet j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment joli. Hop. Très joli. On a déjà deux holos et les deux holos, donc deux des starters finales. Voilà. Alors on a un Fluvetin. Hop, je me mets bien. Nirondelle. Marisson. Volterbe. Fennec. Un autre jardin des fées, Tenefix, Corailon, donc Électrode un peu comme une reverse, et un gros doudou en rare. J'arriverai jamais à les garder entiers, ces boosters. Ah là là. Toujours des noms bizarres, mais Dodio. Alors j'aime bien la carte, ça fait un peu flou là, mais j'aime bien. Il a un long bec en plus, c'est chelou, mais voilà. Starry, donc une énergie psy, hop. Un Evolu Soda, Bogueris, Monsieur Mime. J'aime bien la couleur derrière. Et donc Flotoutant en rare reverse, et un Crocorrible en rare. En fait, je suis un peu en train de me casser le poignet là, je suis tordue dans tous les sens. Je veux mon Raichu. On a un Topicœur, Mascaïman, Grenousse, Ponchio, Coxy, un Cercle des Ombres,
Escavarenne, Coconfort, donc Crocoribe en rare reverse, et Zoroark en holo. Vraiment très très joli sous pochette. Hein. Il est vraiment beau. J'adore les feux holo. Je suis en train de tordre la carte. Hop. Vraiment très joli. Hop. J'espère que j'aurai assez de temps parce que j'ai 25 minutes. Miracle, j'ai réussi à ouvrir un booster normalement. Caïman Sapero, donc l'évolution de Esca, je sais pas quoi, Ladrio, je sais pas quoi, Grenousse, Monorpal, un Limagma, le professeur Platane, une lettre du professeur, donc peut-être le professeur Platane, hein. Un Pérégrin, un bandeau muscle, donc en peu comme une reverse, hop, très joli, et un mastouf en rare. Un sépia top, une énergie métal, oui, Brucello, il a une vieille tête en plus. Trop bizarre. Coquillasse, Rondoudou, elle est vraiment jolie cette carte. Bogueris, Monsieur Mime, Croix Porale, une Super Bowl, donc un peu comme une reverse, et un gros ray en rare. Oups. Faut que j'arrête de sentir les cartes là parce que maintenant on peut tout sentir, alors ça va être énervant. Donc normalement il y a quelque chose, mais voilà. Rhinocorn, donc oui, il y a bien Aspicot, Lépidonille, Cabriolène, Voltorb, Coticlac, Dodrio, Rappel Max. Tauros, donc c'est une rare reverse en fait, rare. Et Yveltal 8, vraiment joli quand même. Je préfère Zarnia à Yveltal, mais franchement, très très joli quand même. Genre, non, elle est classe. Parce qu'en vrai, elles sont bien plus classe qu'en photo. Hein. Donc, c'est cool. Ouh là 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 là. Hop. C'est vrai. Une très très jolie sous pochette. Ensuite, donc il nous reste 4 boosters. On a déjà 2 ultras, c'est cool, hein. Ensuite. Alors, Lépidonille, un Sucrequin, Starry, Feuille à joue, Limagma, une lettre du professeur, Pérégrin, Évolue Soda, Goupelin, donc ça doit être normalement une holo. Donc là, c'est une holo reverse. Elle est jolie, hein, cette carte. Et un gros doudou en rare. Et mini récap à la fin, et puis de cette première partie, hop, alors 1, 2, 3, 1, 2, hop, Fennec, un Charpentier, Scalpion, Spank, Kenotor, un Sbire de la team Flare,
j'allais dire plasma, vous vérifiez Super Bowl. Donc la lettre du professeur en donc c'est une peu comme une reverse. Et c'est Piatros en rare. Donc il porte bien son nom, il est atroce. Hein. Voilà, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc avant-dernier booster. Hop. On a un cabriolet, Kunotor, Pitrouille. Oula, je fais tout tomber. Oups. Sapero, Dodio, Dodrio, son évolution, Rappelmax, Professeur Platane, Coxyclag, donc un peu comme une reverse. J'aime bien ce Pokémon. Oh, cool, mon petit Raichu. Vraiment très joli. Il a une tête bizarre un peu, mais au moins j'ai la holo que je voulais absolument. Donc c'est cool. On dirait un peu une casseuse quand je parle, mais bon. Vraiment très très joli. Vraiment. Et donc le dernier booster. Une énergie fée, feuille à joue, Pikachu, une énergie plante, roussille, un seul lourdeau, Dimoclès, ouais, Starry en commune reverse, et on a un Dardarnian en rare. Elle est jolie avec les petites pétales et tout. Voilà, voilà. Donc, mini récap. Vite fait. Donc en holo, on a donc 4 holos. Donc on a eu Raichu, hop, Zoroark, Amphinobi et plein d'épiques. Et en ultra, on a eu donc une ex et une full art. Donc en ex, on a eu Yveltal, vraiment joli. Et la plus belle pour moi des foulards dans cette extension, le Tsernias X Foulard, qui est vraiment très très beau. Voilà, voilà, bah on va se quitter avec Tsernias. Donc on va se retrouver donc la semaine prochaine pour la seconde partie de la display XY. Voilà, salut tout le monde.